Bonjour à tous, je m'appelle Anne-France Huret, je suis psychologue, coach en psychologie positive, auteure et formatrice à Nice dans les Alpes-Maritimes. Je fais aussi partie de la team des psychologues interculturels sur Instagram et cette semaine, je vous propose le cinquième podcast sur l'estime de soi. Alors, pour les personnes qui seront concernées par ce que je vais dire maintenant, prenez votre cahier de bord et notez toutes les raisons pour lesquelles vous avez du mal à dire non. Et vous allez voir petit à petit qu'en notant toutes ces raisons, vous allez découvrir les différentes peurs qui se cachent. Et le fait de prendre conscience de ces différentes peurs, vous allez pouvoir travailler sur ce fameux non à dire à votre entourage, à votre environnement social. Alors par la suite, ce que je vous conseille, c'est d'y aller par transition, petit à petit, par étapes. Parce que passer du oui au non du jour au lendemain, c'est un peu difficile. Et c'est normal, parce que vous n'avez pas l'habitude. Donc essayez par exemple de dire à une personne au téléphone, au lieu de dire oui spontanément, parce que ça c'est devenu un automatisme pour votre cerveau, vous dites à la personne, je vais réfléchir et je te rappelle ensuite. C'est déjà un pas en avant. Voilà pour ce podcast. J'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite une très belle semaine et n'oubliez pas de prendre soin de vous, car prendre soin de soi, c'est s'accorder de l'importance. Ciao, ciao!